La jolie succulente que vous venez de voir est une Echeveria Madiba. Peut-être que vous l'avez reconnue, peut-être que vous en avez une à la maison. Pour ma part, c'est une succulente que je trouve super jolie. C'est d'ailleurs une de mes préférées. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette super jolie Echeveria, restez avec moi. Moi, c'est Nathalie et je vais donc vous partager tout ce que je sais sur cette belle Madiba. Voici donc la belle Echeveria Madiba. Moi, en tout cas, je la trouve particulièrement belle. Elle fait d'ailleurs partie de mes top 10, donc des 10 succulentes préférées de ma collection. C'est une Echeveria qui a vu le jour en Espagne, donc une jolie espagnole. C'est une hybride. C'est-à-dire qu'elle est issue d'un croisement entre deux autres Echeveria. Mais apparemment, c'est une hybridation entre guillemets naturelle. C'est-à-dire que la pollinisation s'est faite par des pollinisateurs naturels et non par le choix et la main de l'homme. Elle est née donc presque par hasard dans les serres de Paco Serrano, dans le sud donc de l'Espagne. Son nom, Madiba, a été choisi en hommage à Nelson Mandela. Et oui, Madiba était en effet le surnom de Nelson Mandela. Les Africains surnommaient respectueusement et affectueusement Mandela de cette façon parce que c'était aussi le nom de son clan tribal et donc le nom de ses ancêtres. Et Mandela lui-même aimait qu'on l'appelle ainsi. Comme vous pouvez le voir, c'est une Echeveria qui a une couleur discrète. Elle est d'un vert très clair. Alors je dis discrète en comparaison avec d'autres succulentes qui ont des couleurs qui attirent l'œil tout de suite, comme la Pearl Vandenberg qui est rose violet, ou l'Echeveria Gavoid Romeo, ou le Sedum Rubrotictum qui eux sont bien rouges. Donc c'est pas sa couleur qui attire au premier regard, mais sa forme, ou plutôt la forme de ses feuilles. Alors ces feuilles justement sont très très raides et bien serrées les unes contre les autres. Et avec le temps, les bords frisent, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui lui donne sa particularité, sa beauté. C'est une succulente qui peut atteindre, qui peut aller jusqu'à 30 cm de diamètre, il me semble. Alors chez moi, là, sur les trois que je suis en train de vous montrer, la plus grande fait environ 20 cm. Donc elle a déjà une jolie taille. Je vous présente maintenant un bébé Madiba et comme vous pouvez le voir, pas facile de la reconnaître parce que donc sur les tout bébés, comme je le disais, les bordures des feuilles ne sont pas encore frisées. Par contre, ce qu'on peut reconnaître, c'est ses feuilles bien, bien pointues. Ici, une Madiba un petit peu plus grande, elle est dans un pot de 13 cm. Et donc là, on reconnaît la Madiba et notamment les feuilles qui commencent donc sur les bords à faire des petites frisures. Elle n'est vraiment pas compliquée, la Madiba. Elle ne m'a jamais causé de vrais soucis en réalité. Alors je vous dis ça parce que malheureusement dans mon jardin il y a des succulentes qui me demandent une attention particulière, soit parce qu'elles ne se développent pas correctement, donc en gros elles végètent, soit parce qu'elles ont régulièrement des attaques de nuisibles, et puis il y en a carrément d'autres qui meurent systématiquement chez moi. Voilà, ça arrive. Madiba n'est pas comme ça. Alors la plus récente de celles que je suis en train de vous montrer a 3 ans dans mon jardin. Voilà, et donc tout se passe plutôt bien. En ce qui concerne l'exposition, mais comme toutes les Madiba, elle a besoin de quelques heures de soleil par jour. Donc chez moi, elles sont contre ma maison côté
est, comme la majorité de mes succulentes. Donc elles reçoivent le soleil du matin jusqu'à environ 14 heures. Mais je vais vous montrer en image où est-ce qu'elles sont, donc toute l'année, hiver inclus. Alors ici, la première de mes trois madibas, donc elle est vraiment tout contre la maison. Et à part en ce moment, puisque on a appliqué un plastique en janvier parce qu'il faisait très très froid, mais sinon il n'y a rien du tout, elle se prend l'eau de pluie tout le temps. La deuxième, elle est sous la toiture transparente que l'on a bricolée, donc elle dépend de moi pour boire. Et la troisième, elle est aussi contre la maison. Donc, à part en hiver, elle est à la merci de la météo aussi. Donc, elle prend la pluie. C'est la plus grosse que j'ai, celle-ci, Madiba. Elles sont super jolies, ces Madiba. Comme vous le savez sans doute, il existe plusieurs façons de multiplier nos succulentes. J'ai d'ailleurs fait deux vidéos où j'explique toutes les façons que je connais moi de multiplier les succulentes. Pour ceux que ça intéresse, je laisserai les liens à la fin de la vidéo. Pour la Madiba, je pense que le plus facile, c'est la multiplication à l'aide des feuilles. Le seul souci avec la Madiba, c'est qu'elle a les feuilles tellement raides et serrées les unes contre les autres que c'est pas facile de prélever. Donc je vais vous montrer comment moi je me facilite la tâche. Me voilà en train de prélever donc des feuilles sur un petit sujet et au moment d'un rempotage. C'est bien plus facile parce qu'on peut manipuler la plante comme on veut et on a moins de chances de casser la feuille au moment du prélèvement. Donc vous connaissez, hein, pour prélever, il suffit de faire un mouvement de droite à gauche avec la feuille jusqu'à ce qu'elle cède. Alors l'idée, bien sûr, c'est de la prélever en entier. Il faut qu'il n'y ait aucun petit bout qui reste sur la tige. Je n'utilise pas la tige florale de la Madiba pour la propager, parce que la Madiba a une tige florale trop fine et des bractées trop petites. Donc la méthode de la tige florale avec la Madiba, c'est pas possible. La décapitation, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée, cette méthode, sur la Madiba. Pareil, pour les mêmes raisons, les feuilles sont tellement serrées, tellement raides, j'ai pas envie d'utiliser cette méthode. La méthode avec la feuille me convient bien, donc j'utilise, je trouve que c'est le plus facile et j'utilise donc cette méthode-ci. Alors, que pensez-vous de cette Echeveria Madiba? Vous la trouvez jolie? Est-ce que vous en avez une à la maison? Alors certes, ce n'est pas la plus colorée, mais pour moi, elle est magnifique.